Bonne nouvelle pour la bande de la diaspora éparpillée à travers le monde. Continue d'abord et comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayou, au Kenerote, les managers, pour tenir la bande de Kombongo. Dans ce cas-là, il y a application Sandweb au Ezali. Très facile. Au côté échanger à partir à téléphone, il y a continuer la bande de Kombongo au Baza, na Kinshasa, République démocratique du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupère, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange, Manina, Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami, Balé, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandweb, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokona Lelo, Marambaro, Télémanager, Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindambon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandweb, on a dit là, il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux. Vendredi 9 février 2024, Bokamati Libaka Kolanda biso partout à travers le monde, Dombo Tepe Boye Bolamo. Namanakanabino, ya Pona Congo, ya moko na lulo e bandi, manakanabino ya moko na mokolo, mbote na bino, boza libanda pe na kati ya mboka RDC, azale ko denonce, signature ya accord moko, ya soutien militaire entre Pologne na Rwanda. Rwanda wa abundi sarabiso, Rwanda wa le lisa mboka Congo, mikolo na mikolo, selon note verbale, ya affaires étrangères, ya mboka Congo, bango bazali kotal saki accord yé, e zali ko la kisaka toke zali ko bongi saka bongo ko renforcer capacité logistique ya armée rwandaise armée agresseur ndenge et ba bongi si bongo pourtant communauté internationale était le melara makambo wana nini et sali bongo penza est-ce que diplomatie nabisonde zali ko faillir parce que entre les états il n'y a pas d'amis ni de frères il n'y a que des intérêts nous allons essayer d'en parler au cours de cette émission na bande kubazana biso sur ces plateaux la question sécuritaire dans la partie est tokimimbangu kuna na front bisika pi batali sibiso ko utalobi moleki ça qui ezali sous contrôle ya bawazale ndope armé loyaliste sima ya mokolo mobimba ya kopotana entre banguna ya mboka Congo pe ba armée na biso ba wazali ndo pe basala ki sur place bazali kotali sa biso ke armée congolaise ba repousse banguna pe ba perte grave ezali tope ba dégâts énormes ezali signalé na ngambo ya banguna wapi esengeli koyeba lisusu ke armée na biso bazali kobunda solo pour na ko récupérer kozwa ba territoire o ezala ki occupé ndenge gouvernement à la kaki yango. Autre chose, la cour constitutionnelle a rejeté bongo requête ya premier ministre Jean-Michel Samalukonde pourtant cumule de fonctions et des mandats bon batali si ke ezali soko manqué possible te monto za la ministre za la pe député et ça remarqué bango ba sengi bango ba pona soit oza député soit oza ministre et ceux qui osent nous opposer qui n'ont pas les mains au code démissionné ndenge mobeko et sengi na même chapitre tout ce qu'en la cour constitutionnelle wapi bisika rejeté pe ba requête ya ba candidat wapi o bazala ki invalidé par la CENI pour le kambetali moyibi kanyaka kobombaka ba machine à voter kuna na banda kuna bango cour constitutionnelle akati solo likambo yango metozo zela koyeba est-ce que justice pe ako condamner bango puisque esinga maki poursuite judiciaire mais la question la vraie question, c'est que Baoba occasionna qui bongo moyibi kuna dal kambetali maponomi na kati ya seni bango pe est-ce que bako zala juger est-ce que bako zala présenter est-ce que bako zala sanctionner c'est aussi la question auquel to komekape ko sola mokolo na lelo pour la kobo ya ko assurer prise en charge ya gratuité ya maternité to pe gratuité ya accouchement ya une dame ainsi que nouveau-né pour la kobo ya ko sunga bango likambango memaki kufa
Alpha Bandeko oh, Bazali Bongo, directeur général l'hôpital ya Kinshasa pe médecin directeur l'hôpital topé clinique ngali mabongo bazali sanctionné na ministre ya santé po na likambo yango batali sike ko sale mata mokete tata mokameko la pesa ki facilité na basi babota ya ofele pona ko limiter bon nombre de décès kasi bato amité mama be bazali kote mela yango et ba sanction eyebi bongo ko kota diplomatie topé tumba pona ngambo ya est recette nini nenge balobaka na lopoto esengeli pona mboka Congo lelo etumba ezali c'est vrai que ba wazalendo pe ba FRDC na biso bazali ko bunda sur place mais qu'est-ce qui va se passer tango ba mboka mosu ezali clairement ko se ranger contre le Rwanda qui est pour la RDC qui sont nos alliés naturels sur qui nous pouvons vraiment compter ndeni diplomatie na biso ezali ko sale mapoto bi kezala kadote. Nous en parlons au cours de cette émission sur ces plateaux de invités maître gentil Jean-Pierre Ngalula qui est sur place. Il se présente Nangambo ya Kabila Forever, structure au sein du FCC. Monamboka Mbote. Mbote na yo, maman. En tout cas, tika ngai ko tombela yo. Tongo elamo, en tout cas, na sepela rambala inso. Tango talaka ete. Mitu esengeli kuya na etando na yo pona kolobela ekolo esengela ke ya labe ngai kasi tika ngai na tombela pe baimbo ka baiba kolanda biso na ndako losako na kota na bango jambo yeno batoto ya Kongo Mungu wangu anubariki bana beno bampangi ya Kongo weto bana betu ba mu Kongo wa mungalata mukalenga wa mujulu atambe kunofunia vide mukulu anuto vwenvwen. Bongo moyimbo kana tombeli pe maître Joël Kitenge tu ali na yawa akokemba makasi mama passe le kie mingi watu ko bengane pe na ndako sika futelaka garantie sili motuka ezate alotambona ba moto tozalo babongo pona ni mama na ndenga mabete c'est ce sont des gens qui souffrent énormément. Oye sengeli mokonza mboka ape sa musala kalo soufri mekasi azolo belaka mbula mobimbezo sila bane lekani tala nanga kumi pasi eklekie mingi ngana sunga gana zo yana chari yoko simba tre mokonza mboka kanisa bangoba azo travoye mingi sans bénéfice. Soyons responsables dans nos propos. Ce n'est pas non, question non. De vie privée. Merci beaucoup. Mais monsieur Gazo souffrir, non, 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 si vous voulez. C'est pas ta moi poste. C'est pas la télévision qui a réclamé Ango Aza, membre du parti politique qui est chef de l'État. Du coup, Joël Kitenge, n'a présenté au nom de Mendeko Kotisio Mbote Pebouye. Voilà. Mbote, Mbote, Nandeko Jean-Pi, Mbote, Bakoko Bari Nyonso, qui auront la chance à Koyoka Bisso, à Tongo Alelo, à l'émission. Très bien, merci beaucoup. Mbote la bino balambo ka Congo. Il y a communiqué moko avant tout côté na vif du CG le 21 février prochain. Mokili mbeko célébrer bongo journée internationale ya langue maternelle. Journée ango ezali ko attirer attention na wetali importance ya langue ya liboso langue maternelle eza le côté ya liboso moto a yekola bisika botami soki eza lingala soki eza le poto français. Soki eza Kikongo, soki eza Chiluba, pe bongo na bongo, et importance ya langue wana na occasion yango site jw.org ba proposer bongo ba contenu o ezali malamu malamu na plus de 100 langues maternelles ezali pe ko traduire, c'est-à-dire que soki okoka kotanga Bible na lingala te olingi otanga ngo Bible na lopoto te olingi otanga ngo na nande par exemple soki olingi otanga ngo na Swahili olingi otanga ngo na ba kota nyonso koki ko kende na site jw.org. voilà message et leki langue maternelle ezali solo malamu mingi po etali sa qui que bato ebele bazo rapé ba enseignement topé ba kinda clé là si na langue ba yebi mala mala moté on essa la rapé moi décalage entre maramo prof azolo bala makambo yo yebi ozo yo kango na flingala tio ke ko balusango na lopoto et pe si moi mbutu mbutu. Voilà, nous allons parler de la question de la République démocratique du Congo, cette question qui nous préoccupe na tongo elle est le ndeko Joël Kitenge Tobana na yo RDC zo dénoncé signature et accord entre
accord militaire de soutien entre Pologne et Rwanda. Pokanda moko etambola ki Pologne alaki ko renforcer capacité et logistique ya état agresseur ezali mboka na biso de ko jwel ki te mozali politique moyi kongomani RDC ekoki ko kotika kolela te kotika ko dénoncer te pe ko réfléchir ko établir bongo ba stratégie tant otoyebi que entre états il n'y a pas d'intérêt et il n'y a pas de d'amis, il n'y a que des intérêts. Est-ce que le lot nous pouvons définir bao bazana biso pe bao bazana biso te malombo kawe. Bah, merci maman Naomi pour la mutuna na qui est une question importante. Je crois que pour na ba Congolo bazana un certain niveau, un certain âge, hein, âge moko yese komela, ils se souviendront le tout dernier des problèmes oyaki ko sala chité à maréchal Mobutu. La fin de la guerre froide, donc on sait que Chitia ex-Union soviétique, ou les Russie, qui ont qualifié l'élargissement de l'alliance transatlantique Otobenga Kango Lelo OTAN. Chose qui est à la base même de la guerre, il y a Russie na Ukraine, puisque Ukraine voulait intégrer l'alliance transatlantique. Et bah radar, bah missile, Mandoukou, il y a transatlantique, il y a autant qu'il y a en Ukraine, le Kremlin se sentait dans l'insécurité. Nous sommes dans le même contexte. Et dans l'Europe de l'ex-bloc soviétique, la Pologne, Azamoko, il y a un pays qui fait le poteau, il y a autant. Je dis de l'ex-bloc Union soviétique. Alors, Varsovie, si l'ambassadeur, Varsovie, je voulais dire, il y a Polonais, Akei, na Rwanda pour qu'on négocie en tant que tel, retenons que la Pologne n'est pas pays producteur et reconnu en tant que tel comme une puissance militaire en Europe ni dans le monde. La Pologne azali sous le protectorat, il y a l'OTAN qui est d'abord les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et tout dans cette alliance transatlantique qu'on refuse d'ailleurs l'accès de la Turquie na kati alliance wana. Ben, ça c'est une question de réflexion. Il suffit maintenant de comprendre que Pologne a ekoya sima ya babalé ya tournage ya secrétaire d'État américain qui est ministre des Affaires étrangères et ya gouvernement américain dans la région dans cette tentative. La réaction diplomatique elle est celle-ci. Nangamra Bango, ils ont jugé et ils sont troublés par la présence de la SADC. Et quand cette force est pilotée par l'Afrique du Sud, on le sait que awa na Afrique le pays le pro-russe qui existe au continent, c'est l'Afrique du Sud et l'Algérie, puis l'Égypte. Le pays où vendu sa arsenal et la Russie monte ses avions, ses hélicoptères, ses armes en Afrique du Sud. Et la présence de l'Afrique du Sud dans l'Est, ça veut dire l'armada russe pourrait, je suis dans la réflexion, l'armada russe pourrait transiter par la RDC. Et alors le plan de leur sous-traitant de l'OTAN qui est Kagame et que comme en difficulté, les États-Unis et la France se réservent pour la réaction et l'équipe Mingi populaire et on envoie un néant en Afrique. Dans l'histoire de l'Afrique, la Pologne n'a colonisé aucun pays. Dans l'histoire de l'Afrique, la Pologne ne pèse pas, ni du point de vue des échanges commerciaux, économiques ou le reste. La Pologne, c'est juste Pologne, peut-être pour l'Europe et pour l'Est. Bien sûr, c'est cela, je vous ai dit, pas Bamoussou, je parle d'une organisation connue, Alliance Transatlantique ou Babenga Kaotan. C'est cette coalition autant de Bakende que Bunda en Irak. Pour la Kobengana Saddam Hussein. La coalition OTAN ne va accompagner France pour la Koko et Kadhafi. Cette alliance ne va Kendaka na Somalie et ils sont tombés. Ils ont accompagné les États-Unis au Vietnam, ils sont aussi tombés. Ce n'est pas une première histoire que l'OTAN engage un bras de fer dans un coin. Ils sont allés en Afghanistan. Bakoya et Lelo, les talibans ont repris même la main, le pouvoir est gagné, ils dirigent tout. L'OTAN a déjà échoué dans l'histoire des guerres partout à travers le monde. Je parle des événements récents. Donc, ce n'est pas à effrayer ou à intimider les Congolais. Si le Congo a parlé, peut à protester, à dénoncer, on regarde le rôle que pouvait jouer
l'Ukraine comme, j'allais dire, Pologne comme un sous-traitant aussi de l'OTAN dans le contexte, il y a quoi à couper ça, Belogokouta, notamment chez les Américains, le Français, les Allemands. Si l'OTAN est contre la RDC, comment expliquer que l'Amérique demande au Rwanda de retirer ses troupes en République démocratique du Congo? Madame, nous parlons politique, nous parlons diplomatie. Souffrir le chaud et le froid en politique, ça existe. Hypocrisie. C'est une pratique réelle dans la politique. Démagogie, hypocrisie, c'est une pratique réelle. J'ai dit pratique réelle en politique. Puisque je vis Mobutu Azoko traiter un très bon rapport na président Dos Santos en même temps là où Savimbi vivait, c'est ici à Kinshasa. Même les enfants de Savimbi protégés par Mobutu, et il traitait avec les deux fractions, la rébellion de l'UNITA et le gouvernement d'Yampela. Et ça fonctionne en politique. Na yango ndeko joli kitenge na zonga mutu na nga pe ya liboso le kambetali ko définir ba lien na biso to ko définir ba lien na biso le lo inconditionnel ponctuel circonstanciel pe ba to to ko continuer bango te. Est-ce que la RDC peut définir les... Alors du point de vue il y a ba relation entre états ba lien bazalaka toujours circonstanciel. OK. Et on peut chercher un autre mot ponctuel. Homme sous soi, dans la politique, ils allaient. Puisque dans la politique, les alliances se font et se défont et c'est d'après l'intérêt. Tout comme, je peux vous donner un exemple, il y a Mali, Guinée, na Burkina Faso. Otoyebi, Nambongo, Bango, en France, c'est Faba, Imprima Kango, na France. Mais tout à l'heure, le colon, la France, qui était très permanent dans ces pays, est en train de basculer. Ils sont en train même de quitter la CDAO. Et il s'est rallié à qui? À la Russie. Mais depuis l'histoire, il y a la fondation de la pays Oana. Quel est le rapport entre la Russie et la pays Oana? Circonstanciellement, tout peut basculer, tout peut changer, tout peut arriver en politique. Alors, les amis, en politique, ça n'existe pas aussi, les intérêts. Ce que nous avons, le monde a besoin. Et c'est pourquoi nous disons à l'OTAN, nous disons à la France, aux États-Unis et autres, ce qui doit être d'abord fait du gouvernement, c'est de rappeler aux autres puissants du monde. Au lieu d'aller et pas y a un sous-traitant, un commissionneur ou à quoi qu'on minerai. Ce que le monde a, le Rwanda ne peut jamais donner à la France ce que le Congo peut lui donner. Le Rwanda ne peut jamais donner aux Américains, quand je dis donner, en termes d'échange et d'intérêt, puisque l'État est un intérêt. Ce qu'ils en ont besoin, ils en ont. J'ai vu même une firme brésilienne a signé un contrat d'exploitation. Il y a lithium na Rwanda. Oh. Récemment, et ça a été monté dans les radios rwandaises, puisque j'écoute un peu la langue. Mais dans le contexte, moi, je me demande, depuis quand ba brésilien n'a pas capacité na bangonyo sur la recherche, na chiquier à recherche, Rwanda za producteur et lithium. Ils n'ont pas cette matière. Ils n'ont jamais produit. Et ça n'a jamais été trouvé dans une des provinces rwandaises que mini itium à la côté hôtel. Même à ta côté au Congo, mingi itium à mingi makasi na Katanga, notamment la province ya Tanganyika dans le Manono. C'est là où nous avons la réserve de réserve ya itium pour la batterie électrique, besoin de nouvelles technologies énormément. Donc, vous acceptez d'investir l'argent. Après, il y a eu un peu de temps. Ebi, ke oibaka, metoyokani na biso déjà mon téléphone, mon cher iPhone 15, pour que je iba batu na zando, pour que je batu na victoire, pour que je mais comment ne pas aller na boutique, il y a eu yango. De yango motuna, qui fait le Rwanda pour convaincre Batonion sur le Liban? Est-ce que notre diplomatie est faible? L'objectif, ce n'est pas de la diplomatie. L'objectif, ce n'est pas de la diplomatie faible ou puissante. Ces hommes ont toujours visé. Il faut que yo katang to akara francophonie à Sarkozy a proposé comment nous devons partager nos richesses avec le voisin. Comment notre pays est vaste, il faut l'ouvrir le couloir et autres. En 94, Kengwaza premier ministre tang basenga kabiso to ouvrir couloir humanitaire. Leur idée, c'est de faire ce qu'ils viennent de faire tout à l'heure au Sud-Soudan. Émietter le Congo autobenga kana langage batnyoso ba balkanisation. Kata kata et que le Congo redonne naissance
à d'autres États au sein de notre propre État. C'est le complot dont parle Lumumba en 60. Eh bien, exactement. Le complot est déjà fait. J'utilise ses propres mots. Mmh. Le plan est déjà établi. Ils sont dans la suite logique de la matérialisation de leur plan. Le rôle est de tout Congolais, au-delà du gouvernement et de tout Congolais. Et là, je félicite les jeunes. Je vis des sittings ces derniers temps dans les ambassades, même aujourd'hui. Oui. Et Yindi, l'ambassade des États-Unis. Et ce qui est étonnant, Tokutani, Batouya, ba militant est sidé. Il y a IDPS, ba mouvement citoyen, et personne ne parle de son mouvement, personne ne parle de son parti. Tout ce drapeau parle Congo, un symbole. Ou éthique mémorable. Très bien. Il faut tout comme on arrive à qu'on s'est dépassé, on a pour la patrie. Et c'est très important. Pour le Congo, et Sengeli Kosangalande, Kojampi Ngalula. Nous parlons Congo, nous parlons avenir de la République démocratique du Congo. Accord Rwanda-Pologne, puisque le gouvernement congolais a dénoncé Ango, est-ce que ils ont problème, il y a diplomatie, ils ont même na balabala, topé, ils ont complot. Ndenge ndeko Joël Kitenge a yebiko expliquer ango comment est-ce que la RDC peut faire face à ces complots, comment s'en sortir alors que c'est tout le monde, c'est presque tout le monde qui est contre nous. Mon amboka mbala mingi Joël azalaka na mutamingi na monoko yaye ce qui a moniété mutuna wa na to mokonza wane ko kangaye na kingo okosutuka ba azunzela mususu. Soko Landi na Bayimbo Kanyo, ceux qui nous ont suivis, ils ont compris en réalité que les messieurs restaient dans l'historique. Ce qui a fait même que tu as répété ta question pour qu'il arrive à répondre. Mais il n'a pas répondu. Il t'a dit les histoires de l'Europe et tout qu'on sort. Parce que j'ai toujours dit, comme étant le promoteur de l'université ou le recteur de l'université de fabrication des nationalités, il a la maîtrise de l'Europe dans sa tête et même l'historique pour créer des nationalités. Mais lorsque la question était très pertinente, il ne l'a pas abordée. Parce que cela étant, laissez-moi analyser et donner de bonnes réponses quant à ça. Joël Kitenge, comme moi, juriste de formation, avocat de longtemps, nous savons que sur le concert des droits internationaux, les États se mesurent et se respectent que par les rapports de force. Là, il ne va pas me contredire. Dans un concert du droit international ou dans un concert diplomatique, les États se respectent par les rapports de force. Pas par la grandeur, pas par l'étendue, pas par la démographie, mais l'État se respecte par leur force. Maman, si vous voyez la Russie être respectée, ce n'est pas parce que la Russie a ça, a ça, a ça. La Russie a réussi à imposer le respect par le rapport de force dont tout le monde sait que vous bougez la Russie, en tout cas vous en avez un bonheur. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant avec la question? Parce que faut que l'on voit la question en termes génériques, le colonne de Kwapesi, c'est bon en termes historiques, mais prenons les cas concrets parce que vous parlez de la RDC. La RDC est devenue extrêmement très, très faible, occasionnée par M. Tshisekedi Tshilombo, ainsi que l'IDPS, qui est en train de wéwatiser la République démocratique du Congo. Comment, madame? Vous savez que la Pologne avait voté pour nous dans le Conseil des Nations Unies. La Pologne avait voté pour nous, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui fait maintenant? Si à cette époque la Pologne avait voté pour nous, pour notre intérêt, c'est-à-dire que nous étions en bonne relation avec. Lingala Mwanamboka. Boni boni batowana bako longwa be pa na biso mbalamoko pa bakeye pa ya bato mosusu. Qu'est-ce qui fait cette mutation brusque là-bas, sur le plan diplomatique? Mais ça a des conséquences. D'abord, pourquoi? Premier élément. L'élément est que Félix Tshisekedi, l'IDPS et le régime de l'Union sacrée s'est démontré très faible. Pourquoi? La recherche des solutions, même à ceux qui en ont des problèmes. Lorsque Tshisekedi a appelé Kagame son frère ici, le monde a dit quoi? Ah, en tout cas, donc, ce sont des frères.
entre eux, en tout cas, le problème va finir. Donc la diplomatie est agissante et ils sont en train de confondre la diplomatie agitatoire et la diplomatie agissante. Parce que nous, on n'est pas ici avec un président de la République qui a voyagé comme un Mangela dans toute la République, dans tous les pays du monde. Et nous arrivons aujourd'hui, pas la Pologne va s'aller à s'aligner derrière le Rwanda. Et ici, on vous donne les théories de tout ça de l'Europe. Attendez, je vous dis. Vous savez que l'Europe finance l'armée rwandaise, si je ne m'abuse pas, à 20 millions d'euros, si je ne m'abuse pas. Mais je crois, lui, il peut le savoir très bien. Dans les 20 millions, chaque année, pour la défense et leur armée. Combien la communauté internationale, bloc de l'Europe, soutient les autres. Mais vous ne savez pas que lorsque Tshisekedi est devenu au pouvoir, son plus premier allié de force, c'était les États-Unis. Mais la lire où les États-Unis prend aujourd'hui nous démontre à suffisance que les États-Unis commencent à tourner le dos au régime de Kinshasa. Est-ce que le complot au Tozolo Bela Awe Bantina de Tshisekedi? Mais écoutez, mais Tshisekedi lui-même, c'est un fruit de complot, madame. Comment? Mais oui, vous n'avez pas entendu Nanga, ce n'est pas moi. Il a dit, d'ailleurs, excusez-moi le terme, mais ce n'est pas moi qui l'a dit, j'emprunte ce que l'autre avait dit. Il a dit, fabriqué. Non, aujourd'hui, c'est plus un modèle. Attendez, laissez-moi parler. Il fait partie des haines, hein, parce que c'est le Kabila. Mais le FCC n'est jamais reconnu. Je vous dis que l'AFC, le commandant suprême de l'AFC, c'est Joseph Kabila. Oh là là. Je suis à la télévision, je vous le répète. Madame, je crois que vous avez pris mes minutes, vous l'avez donné. Mais quand je vais les déranger, il ne faut pas me recadrer. Donc, je suis en train de dire, M. Kitenge doit retirer ce qu'il est en train de dire. Sinon, s'il ne retire pas, il va s'assumer. Parce que je ne peux pas dire. Et je le répète, Kabila, le fondateur de l'AFC, faux et archi-faux. Kabila. Faux et archi-faux. Et je le répète même à 1000 fois. Et je ne retire aucun mot. Moi, je dis faux et archi-faux. Mais pourquoi le FCC n'a pas réagi quand Bayo Bazaki, mais le FCC s'est présenté et qu'on a appelé la langue? Madame, tous ceux qui entourent les Nangas sont fil d'idées pour me poser une sous-question dans la question principale. Mais je réponds, vous allez me laisser finir avec la question principale. Madame, entre Kabila et aujourd'hui, les gens de FCC qui sont restés du côté de Kabila et les gens du FCC qui sont partis du côté de Tshisekedi, Kabila est resté seul. Tous sont avec eux. Kamere qui aujourd'hui? Kamere c'est qui? FCC. Bahati est qui? FCC. Mboso est qui? FCC. Kamere n'a jamais été au FCC. Écoutez, Kamere était candidat président de la République en 2011 avant que FCC soit créé. Écoutez, retiens ça. Kamere, c'est un fruit de Kabila et du FCC. Non. Kamere est politique pendant que Kabila était au Rwanda. Voyez le comportement de Kitenge aujourd'hui. Kamere est politicien. Il était président de la JMP, jeunesse du mouvement populaire de la République. Là, Kabila était au Rwanda. Merci. Kabila a trouvé Kamere politicien. Aujourd'hui, ce n'est pas lui qui a fabriqué. Kitenge fait ce que souvent il me reproche. Et c'est pour la deuxième fois. Je vous prends en témoin. J'ai dit, Kamere, c'est le fruit de Kabila. Il est avec eux. N'est-ce pas? Samalou Konde, le fruit de FCC. Il est avec eux. Tous les ministres, les Fifi Masuka, les autres là, du FCC. Y compris Kitenge qui est devant moi, il est de FCC. FCC? Oui, Kitenge, c'est un des acteurs de l'armée de l'AFDEL. Qui est la suite logique des FCC? Ah bon? Ah mais oui! Kitenge ne peut pas le nier. Kitenge, c'est un déserteur de l'armée. D'ailleurs, on est en train de le rappeler de revenir. Il a quitté au grade de lieutenant, si c'est capitaine, il peut rentrer. Donc, je suis en train de te dire ceci. Sur le concert international, la RDC s'est démontrée totalement faible. On n'a pas un rapport de force qui peut s'imposer pour qu'un seul État nous respecte. Quel est cet État qui peut nous respecter? Madame, du moment où
Tshisekedi est au pouvoir. Même les hélicoptères, on est en train de louer. Vous avez vu, on est en train, bazolongola hélicoptère, fiche, babambaki, yamboka nangai Congo. Jusqu'aujourd'hui, depuis 60 jusqu'à ce jour, l'RDC continue à louer les hélicoptères. Mais on nous fait trop de bruit ici. Jusqu'aujourd'hui, où nous vous parlons, c'est maintenant que vous vous êtes en train de dire qu'on a récupéré ça. Que, est-ce que la population est zongi, madame? Qu'est-ce que le peuple gagne? Est-ce que ça, c'est ça la diplomatie qu'on nous a dit? Mais est-ce qu'on peut encore appeler Tshisekedi chef d'État? Non! Tshisekedi est président de la République, mais il n'est plus chef d'État. Comment ça? Madame, le chef, l'État, c'est un pouvoir qui s'exerce sur un territoire bien connu et reconnu. N'est-ce pas? À ce jour, le territoire national, nous avons des parties où Tshisekedi ne peut pas arriver. C'est un territoire, une population, il y a un pouvoir en place. Donc, mais je suis en train de te dire que les attributs d'un État, l'un des attributs fait défaut. Kitenge qui a fait le droit comme moi, il le sait que lorsque l'un des attributs fait défaut, on ne peut pas parler de l'existence de l'État. Mais laissez-moi chuter, madame, s'il vous plaît. Comment contourner, justement, on a renoncé, comment contourner ces complots internationaux face à la RDC? Voilà comment on peut contourner. L'unique manière de contourner, pour le moment, nous proposons, pour le moment, d'abord, organiser un grand dialogue. Pourquoi je le dis? Vous savez que, madame, depuis que la question de l'Est a commencé, tous les présidents passés en RDC n'ont eu à négocier et à trouver des solutions qu'avec les rebelles ou les agresseurs. Mais pour le moment, c'est le moment où on peut réunir maintenant, nous-mêmes les Congolais, dans l'interne. On étudie la question. J'ai entendu Jean-Pierre Mbemba qui dit qu'on va enlever les moratoires pour commencer à tuer les gens, les traîtres. Oui, monsieur, les VPM, mais les grands traîtres sont là. Ils étaient dans cette réunion-là avec quelques traîtres connus. Pourquoi ne pas les citer? Notre armée est très forte, mais ce qui fait mal, c'est la tête de l'armée. En son temps, Ndekombo Saloba, qui collègue, sortait des groupes armés. Mboso, c'est encore lui un troubleur de l'ordre public. Mboso, c'est la propagation de faux bruits. On doit arrêter Mboso. Mboso, c'est quelqu'un qui doit être arrêté pour le moment. Parce que Mboso a dit, chers collègues, quittez, il a dit. Faisons l'analyse, l'étude schématique du mot qu'il a dit. Il a dit, chers collègues, donc chers Kitenge, quitte les groupes armés. Donc, Mboso sait que dans l'hémicycle, il y avait des gens comme ça. Alors, pourquoi Mboso n'a pas donné cette liste? Pourquoi Mboso n'a pas cité ces gens-là? Mais qui est Mboso aujourd'hui? Membre du présidium de l'Union sacrée. Et puisque vous parlez... Donc, s'il y a la guerre à l'est de la RDC, si la guerre continue, de la même manière que hier, on a dit que la guerre, celui qui fait la guerre à la RDC, le complice était Kabila. Aujourd'hui, Kabila n'est pas au pouvoir. Que Kitenga accepte que nous disons que cette guerre qui est en train de se faire, en bon, alors les comploteurs et les auteurs directs sont les membres de l'IDPS et les membres de l'Union sacrée. Là, et on peut dire alors que c'est le président de la République. Parce qu'à l'époque, nous, j'étais encore dans l'opposition. Avec eux, nous avons attribué les guerres et les massacres de l'Est à Kabila. Quand vous parlez... Qu'aujourd'hui, que ce soit la même chose, que nous disons aussi que la guerre qui se fait à l'Est, alors, Tshisekedi est complice. Dialogue entre nani nanani. J'ai bien dit. J'ai recadré mes propos. Non, j'ai dit que les dialogues que nous disons, ce n'est pas le dialogue avec les agresseurs ou les rebelles. C'est à l'interne avec nous. Nous-mêmes, les forces politiques. Pas pour le partage du gâteau. Kitenge, qu'est-ce que vous pensez pour la guerre, cette guerre à l'Est? Vous savez que le fait... Moi, j'ai toujours été... J'ai toujours dit, madame, que les pays, les gens qui veulent que la RDC se balkanise jouent avec nous-mêmes à l'interne. Il y a ici de nous diviser et il vient maintenant en attaque. Et nous, à l'interne, qu'est-ce que nous faisons? Qui commence à accuser? C'est Jean-Pierre qui est l'auteur. Non, c'est Naomi qui est l'auteur. Or, en réalité, si on est unis à l'interne, alors à l'étranger, on ne voit pas nous combattre. Parce qu'on a réussi de diviser Tshisekedi avec Kabila, inutilement. On a réussi de diviser Tshisekedi avec Moïse Katumbi, inutilement. Chuté. On a réussi à diviser Tshisekedi avec Martin Fayoulou et avec les autres, inutilement. Or, aujourd'hui, c'est la question de l'État. On peut se réunir, Martin Fayoulou, Kabila, et puis les autres, même les Mbemba là, parce que n'oubliez pas, Mbemba aussi, c'est un ancien rebelle. Même Mboso, c'est un ancien rebelle.
Lui aussi qui tenait qui est devant moi, c'est un ancien rebelle. Et Kabila? Kabila? Et qui? Kabila est ancien rebelle comme vous aussi. Non, vous le... mais toi tu es venu avec les Afdel, non? Merci. Les Afdel étaient qui? Étaient des rebelles, non? Merci. Mais ceux qui étaient de... venu avec l'Afdel, c'était des rebelles. Très bien. Qu'il accepte. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le son n'est pas bon. Selon Bandekouazo Landabisho, technique pouvait nous aider. Comment l'ambokanyon soit yoka, mais les alliés collègues. Ah ouais. Ndeko Joël Kitenge, diplomatie nabino agissante et fonctionnaire qui était faux aux à la clé. Faux aux à la clé. Ndeko Alobi, depuis Lubumbashi, toujours et la tata Mokambi Kolo a déclaré guerre Ndengala Kaki. Merci beaucoup. Écrivez-nous. Tous en direct à Bantena Congo Bios Télévision. Justement, tout le monde est au Bial Kambeta dit guerre. Oh. Ils ont le bas mal en opinion. Tata Mokambi, Kolo Alobaki, Alobaki, Ndeko Joël Kitenge, tous ont le deuxième prise de parole sur la question de guerre. Est-ce que la République démocratique du Congo est en position, Lelo, Yaosa la guerre, et Yaosa la guerre contre Nani? Est-ce contre le Rwanda? Tangoto Ebike, Namabele, Nabiso, M23 au Bazana Kati, Kagame dit, lors du discours Moro, ce sont des Congolais. Donc, Eza. Bayo Bazaï, rébellion selon Yé. Après, a changé qui discours, il fallait l'année là-bas. FDL, le discours est à moi, Ming. Mais les lots, nous sommes en position de faire la guerre sans pour autant tout violer, traiter les alliés internationaux. Bon, merci d'abord. Vous savez que dans le recadrage, dans le plateau d'Ayo, j'ai été traité de menteur. Ou tard, je suis resté générique dans le mot et je m'attendais à un développement substantiel, consistant pour Nakoyoka Gima, mais je n'ai attendu qu'un bruit inutile. Je n'ai jamais été déserteur de l'armée d'abord. Hein? J'ai quitté l'armée dans la grande porte, Babenga Bisso m'a démobilisé. Il y a eu la démobilisation et à Conader, qu'on a appelé RDDR avec le prophète Daniel Kawata, et où les volontaires partaient pour être orientés dans, et réinsérés dans une autre activité. Et j'ai repris le chemin de l'école. Je suis un autodidacte. Pourquoi je dis autodidacte? Je commence l'université à un âge, j'avais déjà plus de 25 ans que je commence l'université. Puisque tout était perdu dans ces combats-là. Et j'ai toujours été la fierté des gens qui étaient de l'autre côté dans les armes et qui ont réussi dans un autre domaine de la vie. Ça, j'ai toujours été fier de moi-même. C'est Dieu. Bonne nouvelle pour la bande de la diaspora éparpillée à travers le monde. Continue à bon et comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenerote, le Managence, pour Tine de bande de Kombongo. Dans ce là, il y a application Sandweb au Ezali. Très facile. Au côté échangé à partir à téléphone, il y a continue la bande de au Baza, na Kinshasa, République démocratique du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupère, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange Manina Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami Balé, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandweb, et continue dans le code promo Buzz TV, on reçoit $10, le coup la bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokona Lelo, Marambaro Télémanagent Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindambon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandweb, on a dit là, il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux. Ce n'est pas moi. Défendre Kabila sans le connaître, je comprends la difficulté qu'a mon ami. Je suis, et je l'ai toujours dit, dans ce pays, je suis parmi des quiconques connaissent l'individu qu'il est en train de défendre aujourd'hui. Pour l'avoir vu en 96 et pour je continue à le voir jusqu'à aujourd'hui. Et en 96, pas ici. Mes livres et d'autres démarches, mes tribunes où j'ai expliqué tous ces détails, je n'ai jamais été contredit. Vous l'avez connu où? Dans la rébellion? En 96, dans la prise de Bukavu, c'était au mois d'octobre, sous la pluie, un certain samedi. En 96, au mois d'octobre, c'est le jour où Bukavu est tombé un samedi. C'est la première fois de le voir. Et la suite? On n'a pas le temps pour nous trouver ça. On peut le trouver. Donc, je sais de qui je parle. Je parle du commandant Hippolyte.
que nous tous en faisons, dit que non, Sali, afin d'Hippolyte. C'est de celui qu'on l'appelait. Et ce n'est pas une fabrication. Et il le sait qu'on l'appelait afin d'Hippolyte. Et je peux vous donner les noms et la liste. Ils sont nombreux, ils sont devenus généraux. Ils sont ici, des amis, ils sont pleins. Et il le sait. Ce n'est pas une fabrique. Si vous le croyez pour votre frère congolais, tant pis pour vous. Si vous le prenez pour un modèle, tant pis pour vous. Retenez que Kabila est un produit de Kagame et il est le symbole de l'occupation et de l'usurpation d'identité. Ah bon? Pendant 18 ans en République. Donc, vous confirmez cette histoire? Et cela fait quoi? Vous confirmez cette histoire où Joseph Kabila est rwandais? Besoin de Angosos? On n'a jamais dit. Ça sert à quoi? On n'a jamais dit le contraire. Et ça sert à quoi aujourd'hui? Ça sert à quoi? Ça, quel bénéfice, madame? C'est un sujet rwandais, donc ne cherchons pas. Mais ça. Prenons. C'est lui qui bloque que vous puissiez bien faire les choses. C'est lui qui bloque. Non, quel pays? Nous battons avec son pays. Non, monsieur, tu es menté. Nous nous battons avec son pays. Parce que c'est lui qui avait payé les billets pour que Kagame vienne ici au stade des Martyrs. C'est lui qui était devant le stade de Chanté. Est-ce que c'était Kabila qui avait payé son avion de venir ici? Kagame, mon frère. Est-ce que Kabila a déjà appelé Kagame, mon frère, tu sais ce qu'il a fait? Si Kabila n'est pas le même avec Kagame en anglais ni en français. Non, je dis. Il parle à Kinyarwanda avec Kagame. Écoutez, écoutez, publiquement. C'est son oncle. Publiquement, c'est vous avez vu frère. Kabila avec Kagame ici à Kinshasa, publiquement. Chaque dans quelle jour, manifestation vous, au sein des martyrs? Non, je vous pose la question. Tu peux me dire comment Katumba Mak est mort? Tu peux me dire? Non, mais ça, c'est des enquêtes. Non, non, je vous relate. Parmi les rebelles, tu peux savoir comment tout le monde décède, n'est pas mort. Je comprends. Donc, vous êtes dans un domaine où vous ne le maîtrisez pas. Quel dites domaine ce que vous dites. Quel domaine? La nationalité de Kabila. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Où finit la guerre? S'il vous plaît. Non, je comprends. Il a parlé de. C'est lui, c'est un agitateur en lui-même. C'est un agitateur. Puisque ce qui est vrai ici, pour M. Kabila. Ce n'est même pas un modèle ni un exemple. Si nous le citons aujourd'hui, ce n'est pas puisqu'on a besoin d'attendre son nom. C'est un cauchemar, le nom-là. Lui, ce n'est pas Kabila, c'est Kabira. Kabila, c'est Laurent. Lui, c'est Kabira Hippolyte Kazembe. Mais s'il était réellement étranger, il n'y a pas de problème. Pour Vous connaissez combien d'étrangers qui sont ici? Chaloupe était qui? Il est mort jusqu'à être enterré. Vous connaissez son père et sa mère? C'était pas teint blanc, naturalisé. Nazem s'accroche à Lubumbashi et son frère Abdoul est ambassadeur du Liban ici. Il a quel lien? Il a déjà quitté Lubumbashi. Il a même un testament où s'il meurt qu'on l'enterre à Lubumbashi. Ça vous étonne que quelqu'un reste ici? La famille Raoudji qui a des banques et qui ont acheté les sociétés Beltesco et autres. Lui qui dirige la Raoula est le petit-fils de Raoudji. Le père Raoudji est mort. Il est arrivé en 1928. Il est mort où? Au Congo. Et ça vous étonne que Kabila reste là? C'était recteur de l'université des nationalités. Il faut pas. Parce que là, vous cherchez des éléments de qu'un Kabila qui reste là. Combien de Grecs et de Portugais qui sont morts ici? Même Père Saint-Moulin, il est mort ici. Même Père Saint-Moulin, il est mort ici. Qu'est-ce que vous cherchez? Allons-y. Arrêtez ce débat-là. Vous cherchez puisqu'il est resté ici. Ça fait quoi pour rester ici? Comme des Congolais restent aussi en Belgique, en France, aux États-Unis, et ils meurent là-bas. C'est le choix. Quelqu'un peut choisir un pays. Et puis, il a déjà ici un peu l'identité. Un élément que j'ai toujours dit qu'on ne peut pas modifier, c'est qu'il a déjà été chef de l'État. Ça, on ne peut plus modifier. Et vous ne pouvez plus changer cette histoire. Quand vous parlez de ceux qui ont dirigé le Congo, vous les citez. C'est ça l'événement malheureux. Et c'est déjà fait. C'est consommé, le vin tiré. Mais c'est notre ancien président, pratiquement. Non, je ne l'ai jamais voté. Pour moi, il est juste ce qu'il est, c'est tout. Je ne l'ai jamais voté. D'abord, j'ai attendu ici que Sake était tombé. Je vous rappelle, je peux regarder la caméra. Depuis que je vis, je suis surpris d'attendre que Sake Zala qui tombe dans ma boucana. Quand? Non, je vous le répète. Que Sake n'a jamais été contrôlé par des terroristes. L'M23. Jusqu'à ce que nous faisons l'émission ici. Mais comment on a repris? Ça, c'est une émission officielle qu'on dit que Sake a été récupéré par la force loyaliste avec les FRDC. Toi, tu dis que ça n'a jamais tombé. Si ça n'a jamais été tombé, on a récupéré frère, comment? Moi, j'ai vu. Pour gagner match, Tobeti Guinée, France 24, mais dans la bande
L'Égypte vient d'être qualifiée en éliminant la République démocratique du Congo par les Tirobi. C'est passé, puis on se captira tout le temps à Bastati. Vous pensez quelle chaîne TV5 ou France, c'est quoi? Tu vas là qui si bah centre financier na TV5 bah zola qui ça bah émission en quoi ça la capola qui ça bah tweet na bah information le côté internet que ces immeubles n'ont jamais existé à Kinshasa. C'est une photo de des immeubles qu'on a pris à Dubaï. Qui n'a pas suivi cette émission ici? Vous prenez quelle chaîne comme une bible? La RTNC. Vous êtes congolais, appelez la RTNC. Oh là là, la RTNC a diffusé vous disant qu'elle ont récupéré ça. Et l'information officielle. Franchement, allez-y. J'ai vu où, je regarde quelle chaîne. À ça, je vous insiste. Les Ouazalendou. Par exemple, hier, à Kikoka, dans les 100 km de la municipalité de Sake, les rebelles ont été battus à l'extrême. Kikoka n'est pas Sake. Sake, c'est une grande agglomération. Les surplombées montagnes de Sake, c'est là où les rebelles, ils y sont même. Et dans l'autre côté de nord-ouest, on les a repoussés de 15 km. La population s'est vidée de Sake à 80% des habitants, soit 20% qui est resté. À cause de quelques bombes et projectiles qui commençaient déjà à tomber avant. Les rebelles, là, ils savent qu'est-ce que la communication, Willingoma, au moins. Lorsqu'ils occupent une cité, ils vont faire une déclaration et des speeches de leurs vidéos. Entrez dans leur site, entrez dans leur groupe. Vous ne trouverez aucun élément de pareil qu'eux-mêmes affirment qu'ils sont en Sake. Et vous-même, vous le voyez en Sake. C'est pourquoi je vous dis que les hommes de Kabila sont dans cette histoire. Ah, c'est Kabila. Lui, il a des informations que nous, on n'en a pas, puisque Nanga, c'est leur sous-traitant. Et vous faites la propagande des terroristes ici, Nanga. Donc, la diplomatie dans le contexte de là où nous nous trouvons, s'il faut qu'on fasse la guerre, est-ce que dans la pratique, en suivant même mon autocolobao, tozo bundato to bundate, nous sommes dans le formalisme de la guerre du point de vue de la procédure légale en rapport avec l'article 86 ou ça 43, Oyo, président de la République a koki ko réunir, Yaliboso, Conseil supérieur de la défense, Yami Balé. Conseil du ministre et a mis ça de convoquer les deux chambres en congrès pour lever l'option et à déclarer un état de guerre, qu'on déclarer la guerre. Et que ça a des conséquences peut-être administratives, de sécurité et la restriction. Il y a des droits civiques et politiques et libertés que ça a restreintes. Il n'y aura plus de manifestations, plus de meetings, plus de marches quand le pays est en guerre. C'est la loi. Finance, nous ce qu'on a canalisé dans ce que nous appelons l'effort de guerre. Et même le contrôle, l'inspection, l'IGF, tout ce qu'on a tous en virgule. Puisque pendant cette période, tout va dans la guerre. Et l'armée aura plus de pouvoir, le président de la République aura plus de pouvoir. Ça, c'est du point de vue formel. Est-ce que l'FRDC, hasard régi par une loi qu'on appelle la loi organique portant statut, organisation, fonctionnement, FRDC, où il y a causé la chambre et le parlement pour agir? C'est dans ses devoirs, dans ses prérogatives, d'autant plus que la police aussi est régie par une loi. Vous n'allez pas dire que pour que la police ait protégé personne, n'a bien, il faut parlement se réunir. Non. Il n'est pas nécessaire et on déclarer guerre dans mon collègue. Non, tu n'as pas compris ce que je dis. Je dis la conséquence de la déclaration de la guerre, c'est celle que je viens de vous résumer en quelques mots et qu'on réduit. Et qu'on réduit. Bisognons même la liberté, puisque quand on déclare la guerre, le couvre-feu s'installe sur toute l'étendue de la République. Et on le dicte. Quand Tokoko Tandak ou quand Tokobima, c'est la loi, c'est comme ça. C'est un régime spécial. Un état de guerre. C'est un régime spécial. Est-ce que le lot est dans la position au salaire? Est-ce que position, ce n'est pas une question de position. Est-ce que c'est. Il y, toutes les conditions, c'est ça la question, sont réunies pour en arriver là, je dis non. Okay. Puisque le Sénat est, s'affiche au complet par le fait que même bureau et Zalaki, Bazalaki, Bazana, Nouana, en attendant que l'élection au Sénat est organisée. Mais l'Assemblée nationale, les longs de Moukolasouka, 26 commissions, on a besoin de statuer pour valider le mandat. Il y a des députés qui ont été nouvellement élus, puisque officiellement à ce jour, tous ceux qui sont là au Parlement, aucun. Son mandat n'est validé.
Bazaka kana forme wana ya pour publier provisoirement par la CENI et jusqu'à ce que le bureau provisoire wana bureau d'âge a validé ba mandat na bango, une validation ko kende après 8 jours ba bazana ba responsabilité côté bazali ba démissionner, ba choisir entre parlement na ba poste na bango et en ce moment-là, ils vont mettre en place un bureau définitif. Lorsque c'est là, la légalité s'installe dans la chambre basse. Mm-hmm. Qu'on peut convoquer un congrès. Tout est dans l'irrégulière jusque-là. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Ndoko. Dans ce contexte, moi je dis aux Congolais un seul mot. L'armée est en train de combattre. D'ailleurs, il faut féliciter pour une première fois hier des Springbok Babundi pour la première fois. Troupes en Uruguay, à MONUSCO, à Salaki, brigade Moko d'intervention à MONUSCO. C'est pour la première fois que Babundi n'a qui moque. Et pour la première fois depuis que Sadek et Bassid africain, ils se sont battus hier à Sake. Dans les environs, dans les montagnes, ils se sont plombés de Sake pour le repousser à 15 km. Donc tout était, on était à voir jusqu'à quand Baobaye Kotia Bissomaboko Bakoko t'en fait dans celle. Les résultats sont bons jusqu'à ce moment. Tu vois que le Baïké est confirmé, déclaration et un ministre de la Défense, Goma ne tombera jamais. En tout cas, c'est le souhait. Et quand lui dit, lui, il est dans la gestion. Mmh. Moi, je fais l'analyse. Okay. Yaza dans la gestion, il connaît ce qu'ils ont comme armada, makoki, pouvoir, tout ce qu'ils ont mis en place. Mmh. Je suis d'avis en connaissant le Ouazadetou. Et ce que l'armée est en train de faire, Goma ne tombera pas. Très bien, Goma ne tombera pas. Ndekomokalobi, le temps passé ne revient plus. Papa Joël, pourquoi toujours Kabila? Parlons du présent et cherchons des solutions à l'est du pays. Depuis Kolwezi, Ndekomosu à Komelibuso, depuis Lubumbashi, Nazolandabino, Totikanana Sige, Toluka, solution et à partie est. C'est vrai que Baoué à Kalabazan a la responsabilité. Kassidelo, Tata Mokambi, Asaline, Ndekaoti, qui explique à Ngomaton Domingi Banamboka, depuis l'intérieur du pays. Ndeko Jean-Pierre Galola, la question de la guerre. Est-ce que Bato Bazo Tindika, Tata Mokambia Sala et Tumba a déclaré Tumba na Rwanda to pas déclaré Congo en guerre, Bazai Kotinda vers la bonne direction? Est-ce que Bamoyon se lingerami pour la Kosala Yango na Tango Tozaina pour yo solution et collé Kananzela Nini? Malobombo Kare. Maman, minute y a la ndenge aux Européens, ça y est, parce que message Mogoto Tangina se, tapena Golanda Nogola yo, Moyumbo Kamoga lobi qui tenga collé Kelangana minute yali mala mote. Yali Liboso, Yami Bale, qui tenga avant de Pekimia, l'olengonga avant de Kimia. Merci. Nalina loba likamuna yamboete, maître qui tenga atika et loko babengaka, na latin ko tchunkui na Congo. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui se permet, il y a que Tchunkoui na Congo. C'est-à-dire, il maudit le Congo avec ses propos. Maman, personne ne peut soutenir Nanga dans ses démarches. Personne. Nous, nous sommes les démocrates et les républicains. Tu sais qu'il y a eu le pouvoir par voie des élections, il quittera par voie des élections. Sauf s'il commence à les détenir en violation des règles statutaires ou des règles constitutionnelles, et là l'article 64 sera mis en application. Et que pour le moment, personne ne soutient Nanga. Parce que ce n'est pas moi qui avais donné à Nanga les carrés miniers. Oui, on dirait qu'il a eu ça à l'époque de Kabila, on peut le dire comme ça, chez Kitenge. Mais il a continué avec ça à l'époque de Kabila. De Tshisekedi. Ce n'est pas moi qui ai appelé Kagame ici, Kagame mon frère. Est-ce que doit-on aujourd'hui Kitengepe ici nier les propos de son secrétaire qui est nommé aujourd'hui informateur, que je suis en train de décrier que une très grosse erreur, qui a dit que Kabila Eli Motomalamo, Kabila Zande Konabi Soazande Motomalamo. Doit-on aujourd'hui remettre ça en cause? Mais non, soyons quand même sérieux. Mais si Kabila est mauvais, il est tout ce qu'il est. Kabila bloque quoi maintenant aujourd'hui? Madame Nsak Dery est aujourd'hui à 85 000 francs. Et Kolo Yamasango commis 4 500 francs congolais. Vie est commis totalement cher. Est-ce que c'est Kabila qui bloque ça? Dollar est commis le lot 29 500. Est-ce que c'est Kabila qui bloque ça? Tozaline awa na Congo na biso wa mboka oyo ezali na
billet d'avion moins cher, sans avion. Est-ce que c'est Kabila qui est au pouvoir? N'est-ce pas que Kabila Tikaki Congo Airways a fonctionné? Est-ce que Kabila Tikaki Sakena massacre au Ezali Lelo? Pourquoi incriminer quelqu'un qui n'est plus au pouvoir? Vous l'avez renversé la majorité, vous avez débauché, vous avez pris tout le monde, sauf sa femme. Et nous, nous sommes les gens qui sont venus nouvellement dans cette lutte. Moi, je n'ai pas travaillé avec Kabila, mais il a quelques valeurs à reconnaître. Que si nous nous mettons ça en comparatif, on ne trouvera pas ce qui se passe à 10e minute. Mais dans Kouti, dans Kabila, la valeur rebelle. Ndakisa, valeur Yali Bousso. Kabila, président de la République. Atikala Kozo Kagame Taïna et Ao. Ah. Atiana stade de martyrs. Pepper de Zoyemba, Kabila, Kosakanate na Kagame, Yonani, Oboya Kagame. Lui était là. Kabila n'a pas fait ça, maman. Kabila n'a pas fait le nombre de voyages que Tshisekedi a fait. Tshisekedi qu'on se rendre compte que Mboka Zotamoula Mabe n'a retard. Tant nous soit le cas, il n'a pas voyage. Comment manger là? Madame, ce n'est pas ça la question. Je rentre à la question. Je voulais dire ici à Kitenge. Kitenge, c'est un juriste. Na se pela kamingi tango tchakanga inaye. Même te batu ba landa kabiso, ezaka toujours ba emisyo za kana ba dimension likolo bo dimata likolo. Pourquoi? Parce que les gens balinga ba yoka na kati na biso, est-ce que tozali ba juriste ya solo to ya lukuta? J'ai beaucoup de respect. Il sait ce qu'on appelle les droits de guerre to tangi yango naye. Madame en droit de guerre. Lorsque vous m'attaquez sans m'avertir, je vous attaque. Je n'ai pas besoin d'autorisation. Ça, c'est un droit de guerre. Tout est en train de bon, habitez ce qu'à cela qui filière ni n'a droit parce que Nganazali pénaliste. Madame, aussitôt en droit de guerre international, Laurent Désiré Kabila, président de la République. Basasuna ma voix en Abango Kuna, Bete et Logomu Kouya. À la minute, il a réagi. Tout. Mais on l'appelle. Oh, mais monsieur, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais je suis surpris. Beaucoup ici à Bobetelokwa Ndengeni. Voilà un nationaliste. Voilà un nationaliste. Voilà un président de la République. Ce n'est pas les touristes ici. Les vendeurs de pizza en Europe. Non. Les anciens déserteurs. Les anciens rebelles. Mais les autres sont là-bas. Willy Ngoma. Mais bato bapesi Willy Ngoma appétit à cause de la rébellion. Basa na union sacrée. N'attends pas ancien rebelle. Motuna. Est-ce que tu es un beau soi ancien rebelle? Motuna. Sauf que si tu es un peu de temps, pardon, tu es un peu de temps. Est-ce que tu es un peu de temps? 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 Mais quand vous avez les anciens rebelles avec vous, ben c'est un ancien rebelle, maman. Ça, je ne peux pas le mentir. Là où il est, je n'ai pas un problème avec le VPN. Mais il doit assumer le passé, c'est un ancien rebelle. Kitenge, c'est un ancien rebelle. Mboso, c'est un ancien rebelle. Ils sont dans l'union sacrée. La question, je rentre. Est-ce qu'on a moyen de se réunir pour que le lot, tout le bac, tout déclare guerre? Les moyens sont réunis. Mais parce que le président de la République, que je me pose la question, est-ce que le président avait réellement dit moindre escalamouche? Non, madame, moi je doute. Peut-être qu'il avait dit moindre escala Ligorodo, moindre escala Puku, moindre escala l'hippopotame ou crocodile. Parce que comment il pouvait dire moindre escala mouche, il y a des bombes qui tombent et lui dit non, moi j'attends. J'attends encore qu'on m'installe le Parlement. Non, c'est comme ça que je demande dans l'entourage du chef de l'État, s'il vous plaît qu'il ajoute quelqu'un comme Kitenge, qui a étudié le droit international de guerre. Qui a étudié le droit de guerre, qui sait qu'en droit de guerre, madame, vous êtes dans votre territoire, vous attendez quelqu'un qui vous attaque, on ne demande pas l'autorisation. C'est comme ça que j'ai suivi Kagame. Nabilo Konayo, on a ça la traduction, mais j'attends de l'Est à l'Ouest, les gens en train de crier, tout ça, mais moi je n'ai pas d'autorisation pour attaquer un pays qui m'agresse. Il était en train de donner un message fort à Tshisekedi. Mais qu'est-ce que M. Tshisekedi a fait? Il a tenté de se montrer comme quelqu'un qui était prêt alors qu'il n'était pas prêt. Pourquoi je le cite? Zélan a relancé avant aux Andes, aux FCC, pendant le 18 ans, il y a mon amboka, le
l'ancien président Joseph Kabila, bino ba bozo poussé Félix Tshisekedi lelo a déclaré guerre. Pourquoi à l'époque Moïse Tshisekedi Kabila a déclaré guerre? Parce que toi que même à cette époque là, à un moment donné même Goma ikoyaka. Madame, je suis en train de vous dire pourquoi madame, il n'a jamais déclaré madame, je suis en train de et pourquoi Tshisekedi doit je très suis, vite je suis en train de vous dire la guerre. S'il vous plaît, que c'est une question que je me pose. Permettez que je me pose. Je me dis entre négocier, n'est-ce pas? Je prends un cas général. Entre négocier avec les gens, trouver une solution, peut-être pacifique, parce qu'il est dit en droit, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Je dirais aussi en diplomatie ou en guerre, vaut mieux un mauvais arrangement qu'une longue guerre. Madame, je me dis, entre un arrangement, entre s'attendre exactement sur la question, parler à l'interne, trouver la solution, proposer aux agresseurs et trouver encore une autre solution et engager la guerre au fond, la guerre absolue dans cette affaire. Qu'est-ce qui est plus coûteux et qu'est-ce qui est avantageux? Madame, je serai en train de vous dire que les conditions de cette guerre nous est imposée. Kabila n'a pas laissé cette situation. Kabila n'a pas laissé cette situation. Mais mon groupe armé, c'est vrai qu'il n'a beaucoup d'habits. Sur la question de... Yukana, a cité... ADF. Mais je suis en train de vous dire que Kabila n'a pas laissé cette situation d'aujourd'hui quand il a quitté vous le pouvoir. Vous parlez du M23. J'ai dit ceci, est-ce que Kabila a laissé le M23 en train de menacer la RDC en 2019-2018? Nous allons dire non. Ça, soyons conséquents, madame. Je suis en train de vous dire ceci, cette guerre ici que vous voyez... Au moins, tant que le président de la République a eu la parole, il faut aller à consulter un juriste pour lui dire, monsieur le président, quand on vous attaque, ta population est en train de décéder. J'ai vu monsieur le président de la République, a eu ça là, na téléphone, mon acquis vidéo, et je ne sais pas ce que c'est à solo, mais j'ai vu, je parle au conditionnel, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu au téléphone en train de faire un message d'espoir au léopard. Que moi je me réjouis le la topoline. Donc, un message à l'objet, bon, je suis avec vous, tout ça, pour gagner, mon espoir est avec vous. Azotine la bango message. Mais pour les gens qui sont décédés, le président ne dit rien. Même pour donner un message d'encouragement ou de les renforcer par un discours. Cause moi, maloba. T'as la Zelensky, il y a Ukraine. N'est-ce pas? Malgré ça, pour la guerre, ils ont mais un message fort pour nos collègues de Sabaton et Mitem. Les chefs de l'État ne le fait pas. Le premier ministre ne le fait pas. Ils attendent quoi? Ils sont en train d'attendre toujours qu'on réunit le Parlement. Madame, je te dis ceci. Même ceux qui vont réunir le Parlement, je ne vois pas M. Tshisekedi déclarer la guerre. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas ces moyens-là. La guerre coûte extrêmement trop cher, je merci vous dis, pour la République. Beaucoup. Mais je conseille au président de la République de ne pas suivre certaines personnes. De rentrer en lui-même et d'entendre ce que Mobutu avait dit. S'il faut signer le pacte même avec les diables, je le signerai pour le bien-être du territoire. Merci. Toutes les guerres ne se gagnent pas seulement avec les armes. Il y a des guerres qui se gagnent aussi par des négociations. Il est le président de la République. Ces gens-là, ils réclament ce qu'ils réclament. Entre leur réclamation et la paix, qu'est-ce qui coûte beaucoup? Madame, vous n'avez pas vu les images? Lorsqu'on est en train de décapiter quelqu'un comme ça, qui tenait chez lui à la maison en train de prendre sa bière. Mais nous, on ne supporte pas ces images-là. Très bien. Merci madame, moi beaucoup. J'ai une famille à Goma. Mathieu la situation est beaucoup. Catastrophique. Ce que je veux dire, vous êtes pour la négociation, vous êtes pour un accord avec le rebelle. Je ne dis pas un accord avec les rebelles, madame. Je vous ai donné un point de vue personnel. Je vous ai dit, entre... Mais si c'est une question que vous me posez pour donner maintenant mon point de vue, là, je peux répondre. Mais j'étais en train de vous donner une illustration. En train de vous dire, entre la guerre, n'est-ce pas, qui nous coûtera plusieurs années avec les conséquences que mon ami Kitenge a dit, et un arrangement, n'est-ce pas, qui peut nous permettre que nous gagnions quand même, ne serait-ce la paix, maman. Vous savez, madame, la Première Guerre mondiale a connu que 10 millions de morts. Mais la RDC elle-même a fait plus de 20 millions de morts. Nous avons fait deux guerres mondiales en RDC. Très. Est-ce que doit-on continuer? Dans ces 20 millions-là, on ajoute encore la guerre. Merci ou beaucoup. Soit on peut approcher ces gens-là et on négocie, on voit ce qu'on peut faire. Très c'est bien. Mon point de vue personnel merci qui beaucoup est à prendre
ou à laisser ceux qui disent au président de la République de faire la guerre. Nous allons faire la guerre avec qui? Avec tous ces traîtres ici que nous avons dans l'armée et ceux que nous avons aussi même à Goma là-bas. La télévision, c'est le temps. Ndeko Bazo dénoncer comportement topé dengue ba pekisa ki ko talisa bongo ba supporter ya match ya Léopard lors ya Etoumba na biso na Côte d'Ivoire kuna na CAN. J'espère que gouvernement va faire quelque chose, je sais pas si c'est Canal Plus ou Fekofa, parce que le message na biso solo et les cas qui n'en dira pe ya ba joueur na biso mais ba supporter sur place ba za ki film et image et les cas qui te maton domingue de ko pour nous rappeler biso yango de ko joal ki tenge toujours si j'ai et à Souka, donc comme vraiment la Souka émission, sur la question, il y a cours constitutionnel, il y a un bon coup, il y a un invalidé, il y a rejeté, requête, il y a un invalidé à CENI, mais mon tout, il y a un sort, il y a un invalidé à CENI. Est-ce que mon béco, il y a un invalidé ba poursuite sur le plan judiciaire topé ba o ba mema ki topé ba encourage ki bongo likambo yango ba agent ya CENI pe ba kolandela ma est-ce que les photos et la bongo ba sanction na o etali kambo etali fraude électorale malobombo ka bon en fait je vais répondre na question na muke na mukuse je préfère payer des arriérés puisque vous avez attendu na na plateau awa qu'on ait traité le président de la République de touriste, de vendeur de pizza, c'est malsain. Je n'ai pas dit ça au président de la République. Ça a été fait. Madame, je n'ai pas dit ça. Je dis, au lieu de se réunir avec les vendeurs de pizza de l'Europe, je n'ai pas dit au président de la République, vous ne m'avez pas entendu dire, monsieur le président de la République, laissez-moi. Non, non. Arrêtez avec ça, monsieur. Si tu n'as pas les arguments pour me rencontrer, arrêtez de chercher qu'on m'arrête. Je n'ai pas dit ça, monsieur. J'en ai des coriasmes. Mon souhait, ce n'est pas celui-là. Je ne viserai pas qu'on arrête Naloula. Je voulais placer le mot et le bon. Quand vous tombez dans un combat d'un train qui est parti de Ilebo pour aller à Lubumbashi, et tu arrives juste à Kanyamakase et si tu sautes dans un wagon, tu ne sais pas combien de jours ce train fait en route. Et de Kanyamakase pour arriver à Lubumbashi, tu ne sais pas combien ça vous coûterait. Je suis d'ailleurs même écœuré de voir que quand on vient à la télévision, il y a la position de votre formation politique et des analyses in situ personae. Jean-Pierre Galula dénote la position du Rwanda, la position de Joseph Kabila et de Kabila Forever. Laquelle position? La négociation. Non, c'est ça la question. La négociation, signer un accord. Vous avez été élégante, laisse-moi vous jeter des éloges, de lui rappeler dans la gestion de M. Kabila s'il y a eu guerre. Et combien de fois? Il y en a eu même en pleine ville de Kinshasa. Ici. Et il connaît comme Maïgo Tanzambe mort. Des armes. Ici, dans cette ville de Kinshasa. Mais c'était Mbemba. Laissez-moi développer. Mais c'était Mbemba que vous êtes avec lui aujourd'hui. Ma maman Naomi. Mais Loba, non. Si c'était ça, c'était Mbemba que vous avez aujourd'hui. Tolérance, Ndeko. Tu comprends. Il y a guerre. M23. D'abord en 98, après l'éclatement d'IRC de Goma. Azaga na histoire. Parlez d'aujourd'hui. C'est la guerre. Tu leur as posé la question, leur recette à la guerre, puisqu'ils parlent de déclarer la guerre, le droit de guerre, ceci dit. C'est sorti de lui montrer ce qu'il n'a pas si fait. C'est pour lui dire qu'il doit se taire. Lui, Kabila et Fort Vert, ils doivent se taire. Et vous, laisser les débats ailleurs. Vous laissez pour des raisons. Pays. Je peux oublier de 96, je suis à 2009, les urgences du CNDP. CNDP avec Mwanga Tchoutchou ici. CNDP avec Laurent Kounda, Batoire, Jire Moutebou, Simboskom Tagada. En échange, il y bagarre, il sait comment Baouma est mort, comment Mboudjabambe est mort et le travail que Mamadou Ndala a accompli pour devenir héros. Là, il n'a aucune idée. On crée, il y a la première négociation. On crée l'accord du 23 mars
pour mettre fin au CNDP, c'est la naissance de ce que nous voyons aujourd'hui. De M23. Encore du 23 mars. Puisque c'était CNDP, quand on signe maintenant l'accord, l'accord a été signé le 23 mars 2009 et le nom de la date de signature de l'accord est devenu le nom de la résurgence de 2013. CNDP va y partir et ceux qui sont venus réclamer l'application de l'accord de 2009 signé entre le gouvernement de Kabila et la CNDP vont réclamer les accords du 23 mars. Le premier mouvement du 23 mars est né suite aux accords. S'il n'a jamais dit, je peux lui donner l'exilement, ces rapports qui consacrent 40% de postes de commandement aux forces de police des FRDC et créer une police spéciale de frontières entièrement gérée par les Tutsis pour protéger la communauté Tutsi. Kabila signe. 55% de gestion des postes et des régies financières dans le nord et sud Kiev pour nous concéder ceci, ceci, Kabila signe. Et la liste est longue des accords. Vous pouvez vérifier. Professeur Kalel en a publié là-dessus sur les accords du 23 mars, tout celui des 13 à Rubavu. Il y en a eu trois autres accords qui se sont suivis dans ce contexte. Entre-temps, nous avions à cette époque bénéficié du soutien de deux bataillons sud-africains dans le cadre de la SADC. Les Namibiens nous ont accompagnés, là où il est allé au deuil récemment, nous ont accompagnés dans la période M23 avec les FARDC, la bravoure de Mamadou, la trahison et tout ce qui s'en est suivi. Cet accord-là signé est la naissance de ce que Tshisekedi est en train de combattre. En 2018. C'est cela, il connaît, c'est un juriste. Le nez des problèmes, c'est la gestion de cette crise que Kabila a créée de toutes pièces qu'il a laissées par un accord qui continue à être réclamé. Bah, M23, il y a l'élo, bah, j'ai réclamé accord. Les mêmes accords, les mêmes conditions. Ngom a essayé de dire aux Congolais que notre salaki la Kinshasa to signaki. Nous a promis verbalement. Mais les accords que vous brandissez, quand ils brandissent, c'est les mêmes accords de 2009. Alors que Tshisekedi n'était pas au pouvoir. Après cet accord, donner droit aux terroristes d'aller camper au Mont Savigno, dans le territoire de Rutshuru. Le Mont Savigno était comme zone riche. Ni FRDC, ni police, ni entrée. C'est dans le droit inclus dans cet accord. Ils habitaient et ils avaient armes et munitions, l'ordre de M. Kabila, et on les nourrissait, on le payait, l'ordre de M. Kabila. Si du Mont Savigno, qu'ils sont partis du Mont Savigno pour aller reprendre Bounagana. Lorsque Kabila part et quitte le pouvoir, il a laissé actifs 200 groupes armés en République démocratique du Congo, spécialement dans la partie Est. Et pourtant, Enyele à l'Équateur était, le groupe mouvement Enyele et Toko étaient en train d'être métisés. De quoi on parle là? De quoi on parle? Quand on parle qu'un élément de la République qui pourrait être un chef d'État fait défaut, vous avez 145 territoires. Et les hostilités sévissent pas totalement, en moitié, sur trois territoires. Et vous avez 142 territoires en gestion. Il et a lui, compris, sa notion il a de l'État. Lui, non, non, lui, sa notion même, de l'État. Tu as compris quand même. Je n'ai tu rien compris. Si j'étais un professeur, je donne zéro. Non, mais tu as compris. Oh là. Parce que tu dis que sur 145 territoires, au moins, il y a quelques territoires très bien. Ce qui revient à dire que l'État ne se gère pas merci dans ces territoires. Merci beaucoup, Ndeko, Jean-Pierre. Je vais vous dire que le président de la République est bel et bien chef de l'État. Des faits. Des pratiques, des droits et de gouvernance qui ont été de recoller le morceau laissé
par le bruit que vous attendez là qui s'appelle Kabila Forever. Très bien, merci beaucoup Ndeko Joël. Le bruit que vous attendez là, ça s'appelle Kabila Forever. Merci beaucoup. Voilà, il m'appelle le bruit. Vous avez entendu, s'il vous plaît. Le bruit Kabila Forever. Kabila Forever. Qui me dit ça. S'il vous plaît. Ndeko Jean-Ping Alula, la question sur les élections, recette topé requête plutôt Yabandeko et Boyami sur le plan légal, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que bon ça la soumis à la poursuite judiciaire topé Bandeko Batikalina Seni, Bakolande Lama, point de vue dans les Aïnini, Malobombokaya. Merci, maman. Au moins, deux minutes, nous avons la paix qui t'a été. Baïmbo Kabamoni était banda to banda qui m'a lelo, qui t'a toujours au dos de la cuillère. Pourquoi? Parce que qui t'a manque les arguments. Tant que la rananda qu'on a yébak, lelo na moni à la linanda côté. Il vient peut-être ailleurs, ou soit dans la recherche. Pour peut-être Mikola comme il a pembo son nationalité. Pour bango so meko be banana bango nationalité bimi. Peut-être galala nanda kouté. Kitenge n'a pas répondu à cette question. Pourquoi? Parce que Kitenge sait que les conséquences des droits de cette question dont vous posez a des conséquences logiques allant jusqu'à toucher l'électorat du chef de l'État. Je l'ai toujours dit. Même si aujourd'hui, maman, bako salaka et l'okote, un jour, dossier judiciaire est pour la kate. Les gens vont répondre. Mais pour les revenir, nabe sana no kitenge. Monsieur Kitenge, ngana zo pesa kitenge a wa lokola biso na ye ba juriste. To tangi classe moko. Na ye bisi aye bisangai dans quel régime de droit de guerre, hein? Vous m'attaquez et moi je dois attendre des autorisations. Alors que cette attaque entre dans un système ou dans un régime du flagrance. Parce que là, on est en flagrance. Dans l'état exceptionnel. Par les mesures nous mises en place, mais si kawa, pour vous m'attaquer, est-ce qu'il faut naser là? Imaginez-vous pendant que nous attendons. Imaginez-vous que la situation pouvait s'empirer. Le président va continuer à attendre. Madame, on gère les pays où bazo gérer Zando, to bazo gérer Pakadjou. On gère quand même la nation. Pas de mots forts, Ndeko. Non, mais c'est quand lui traite de Kabila qui est le chef de Nanga, là, vous n'avez pas dit que c'était fort. C'était plus fort d'attribuer méchamment et inutilement. Je l'ai recadré. Vous l'avez recadré. Très bien, je n'avais pas entendu. Mais je vous dis, on gère quand même une nation. Et gérer, c'est prévoir. Dans la gestion, il y a les règles d'exception. Nous pouvons tomber dans une situation d'exception. Mais tu es chef agissant. La présidence de la République est une institution de l'excellentisme. Mais aujourd'hui, on en est où? Kabila avait pris le pays comme étant les œufs. Plateau manque à Kamati a pris Yango Tiseke d'habit. T'as la plateau manque Yango, papa. Tigala Nango battele colonna. Bounana Nango n'a pas si payé Tigala Nango. Atokisi Maki allié. Vous vous imaginez dans quelle situation nous nous retrouvons? Atokisi Maki allié. Bakamati n'a plateau batumbi moto. Payez au pela moto. Bango basou wile la nabon ba poste. Aujourd'hui, hier, quand nous avons dit qu'élection le Kanaki Mabe, Bakota Kibiso Tembe, Balubi élection le Kani Malam, mais quel est le cas aujourd'hui? Quel est le cas aujourd'hui? Ça, c'est l'indice, les alliés, preuve majeure qui démontre à suffisance que Ndekonabiso Kadima, Azangaki Nakatinaye, la cognoscenténéité de la congolaise comatisation pour réunir les capacités intellectuelles requises pour Azala Moussala Naya Kiseni Wana Bachakie. Les conséquences des droits maintenant, ils sont poursuivables, madame. Et si on doit poursuivre ces gens-là, ils seront poursuivis, nanini maman. Parce que qui t'a dit que tu as dit que procédure civile, contentieux en matière civile. Mais maintenant que les civils avaient tenu le pénal en état, ça maintenant, tu continues la dimension des droits. Les civils. Le peut tenir aussi pénal en état. L'Okola civil va confirmer exactement que Batouana Bazali invalidé à solo et que charge mise à leur responsabilité est établie. Donc à partir de ce moment-là, le pénal va maintenant les retirer. Mais si le pénal va les retirer, c'est, on sera dans ce qu'on appelle association de malfaiteurs qui a comme seul chef de bande Kadima en participation criminelle avec ces gens-là. Et avec quelles conséquences? L'électorat du chef de l'État doit être aussi annulé. Si on n'annule pas, demain ou le lendemain, tous ces gens-là seront alors poursuivis. Mais les conséquences les plus
La conséquence la plus monstrueuse, c'est que nous aurons et nous avons et nous aurons, nous allons démêler merci avec beaucoup. Les institutions illégitimes et illégales. Beaucoup. Et les chefs de l'État gèrent avec un régime qui sera illégitime ou illégal, à moins qu'ils organisent les dialogues avec les forces politiques congolaises à l'interne pour statuer de la question de l'Est, statuer de l'avenir politique, laver les mal faits par les criminels électoraux et les criminels de la très démocratie. Très bien, merci Monsieur beaucoup. Kalima, dont la place n'est qu'à la prison merci centrale de Makala. Merci beaucoup, c'est la fin de l'émission. Ndekbaka, Yabandeko, Koufaki, Koya, Kobota, la gratuité, la maternité. Tosimbi, Amote, Mbandeko, Ngonga. Makamela Bisho, Inimini. Je ne sais pas comment. 30 secondes, rapidement. Attends, 30 secondes, non. Puisque Namaka Mbotali Batoba est validé. Ils ont contentieux électoral, ils ont un aspect pénal. Nous avons la contentieux, peuple se dit que ils ont un mandité, ils ont entièrement gratuit, ils ont la dispensé à frais. Diango mutako kuya to mutako longa na sena ngo ba bisa kate futa boye to boye te c'est une procédure au regard ndenge mibeko bongisa yango o etali contentieux électoral ku ake koyoka mpe a rejeter n'est-ce pas bareke to na lobi yango eza recevable mais fondement yango ezate pour la mine fondement ezate puisque seni akende ki kolongola suffrage obtenu ya ba candidat on a invalidé le voix au bango bazwa qui a invalidé yango atie bango na liste bakuta misiko bazana ba voix te or contention les a contentieux des résultats ça dit ba voix au zwaki n'ayant pas de voix la cour ne peut pas statuer sur un vide. Très bien. C'est la fin de l'émission, oui. Donc pour bayako ça misabango lobi kuna mais je sais que le parquet aura du mal puisque la CENI n'a pas très très documenté ses preuves à l'endroit des personnes. Il a juste fait des rapports, mais en droit pénal, c'est une dimension rapport de, sous strict, base de, quoi? De stricte interprétation. Et ça requiert sérénité, et la CENI aura du mal. Il y a qu'on ne peut pas na parquet pour que parquet a inculpé. Toi, quand tu vas connaître mon tour pénal, merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Ah, maman, on va être bouetté. Aux autres qui t'en ont répondu. Tu as répondu. Tu as répondu. Tu as répondu. Mais les gars, c'est pour dire que l'émission n'a pas été mise à pouvoir. Non, mais on répond à la question à contentieux. Est-ce que j'ai un répondre? On a répondu à la question. On a répondu à la question. On a répondu na répond à la question contentieux. Ngai na kolobali kambo ya mama wana kufi. Batika munganga batazongela musala papa. Régime bazokosela batu makambo ezangati na mama. Moto oyo botche gratuité de l'enseignement. Bakoboti sa ofele. Bongo tonga soka sali hémorragie. Tonga sali nini? Wana comme ba ordonnance il faut bi mama. Bazong sa médecin batu sali lokote. Soki mama wana basenga ke mbongo ya ordonnance basomba bakisi mbongo ezalite. Mama pesa mbongo ba réanimer mwana mbongo ezalite. Est-ce que ça a une gratuité à réanimer moi? Est-ce que ça a une gratuité à couvert? Non! Non, c'est ça inclus. Oh, bien sûr! Bien sûr! Vous avez réanimation, ça sent bien. Bien sûr! Ah non, madame, ne dis pas ça! C'est que ben ça n'a pas été comment on a tout le monde a ça se calcule par minute. Oh là par minute, toi, les gens, si c'est un rapport avec $100, et c'est gratuit. Si c'est un rapport, j'ai dit que l'accouchement est à combattre sa moto. Mais la prise en charge, la prise en charge spéciale. Merci beaucoup. Tozonga prochainement. La prise en charge spéciale, d'ailleurs. Tozonga prochainement, Bande Kobaza sur Kitenge. Il y a une pharmacie. Pini. Merci. Loukouta, est-ce qu'il y a une pharmacie de gratuité? On se retrouve prochainement. Vous avez des pharmacies de gratuité. Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Continue à bon et comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayou, au Kenerote, les managers, Spotting la bande de Kombongo. Dans ce là, il y a application sans de rêve au Ezali. Très facile. Au côté chargé à partir à téléphone, là, il continue la bande de au Baza, na Kinshasa, République démocratique du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, qu'on récupérer, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange Manila Bango,
Et yo, ici ka ozali, bonne nouvelle Miami Ballet, ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandware et ko tindi na code promo Buzz TV, on reçoit $10 pour la bénéfice. Donc il y a pas mieux télécharger Mokona Lelo, Makambaro Télémanager Cécile. Il y a pas mieux que ça. Tinda bon la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandware, nandela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux.